Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pixelobby Auralois. Ils ont sorti dernièrement 4-5 nouveautés et j'en ai deux entre les mains. Donc on va les découvrir ensemble. Franchement c'était compliqué de faire un choix parce qu'elles étaient vraiment toutes très belles. Bon, mis à part une qui n'était vraiment pas du tout dans mes goûts, mais sinon les quatre autres, c'était vraiment difficile de choisir. Donc on va regarder ensemble les modèles que j'ai choisi. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis. Allez, c'est parti. On regarde le premier qui est mon coup de cœur de cette série qui est sortie. Tadam, le voici. Il s'agit de cette image. Elle est juste trop canon, je trouve. Et elle se prête très, très bien au Pixelobby. On va regarder ensemble donc ce que contient le kit, enfin, surtout les couleurs. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un 9 plaques. Et c'est bien parce que je crois que c'est d'ailleurs dans tout ce qu'ils ont sorti dernièrement. C'est quasiment, je crois, que des 9 plaques, il doit y avoir un 4 plaques. Quand on aime le Pixelobby, on aimerait que ça ne s'arrête pas. Donc, que ce soit un 9 plaques, c'est juste top. Allez, on regarde ensemble ce qu'il y a à l'intérieur du kit. Hop, donc toujours la boîte blanche qui s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez ce qu'il vous faut pour faire votre tableau. Donc là, on retrouve le patron, si on peut dire ça comme ça. Alors, sur ce kit-là, nous avons... Donc les 9 plaques, en tout nous avons 167 carrés, enfin, je m'entends, quand je dis carré de Pixelobby, c'est plaque de Pixelobby comme ça, on en a 167. Et on a 81 couleurs sur celui-ci. Donc là vous retrouvez votre listing, les couleurs avec le nombre de plaques que vous avez. Je ne vais pas réexpliquer comment fonctionne le Pixelobby. Si vous débarquez sur ma chaîne et que vous ne connaissez pas ce loisir, je vous invite à... retournez voir une de mes précédentes vidéos, je fais à chaque fois un petit explicatif sur comment fonctionne le Pixelobby. Donc voilà, voilà, vous retrouvez votre patron et il est assez épais forcément quand c'est un 9 plaques, ben, y a pas mal de pages à faire. Et ça, on adore. Donc voilà pour le patron. Donc là, du coup, j'ai un peu spoilé, mais on a les couleurs. Hein. On retrouve bien sûr nos 9 plaques. Je rappelle quand même vite fait le principe du Pixelobby. Donc on a des plaques comme ceci avec des petits picots. Et il faut venir en fait clipper les petits carrés sur le picot pour former entièrement le dessin qu'on a choisi. Donc là j'ai bien mes 9 plaques. On a également les petites attaches noires pour assembler les plaques. Alors je le répète, ça ne suffit pas pour faire tenir le projet entre guillemets debout. Si vous voulez l'afficher au mur, soit il faut renforcer les plaques derrière, soit vous collez les plaques entre elles, soit vous mettez un cadre sous verre, comme vous voulez, mais il va falloir un renfort si vous voulez l'afficher au mur. Ça, en fait, les petits picots, ça sert vraiment à correctement assembler vos plaques, mais après il faut venir renforcer ou simplement en mettant du gros scotch derrière toutes les plaques. Mais ça ne suffit pas à faire tenir les plaques. Enfin, je m'entends, à faire tenir les plaques debout. Accrocher un mur. Voilà, je pense que vous m'aurez compris, ceux qui font du Pixelobby, je pense que vous l'aurez déjà constaté par vous-même. Et donc, on retrouve les couleurs. Donc là, les deux boîtes, elles sont... Alors, il y en a une de pleine et une à moitié pleine. Mais regardez-moi ces couleurs. Oh, c'est juste trop canon. Waouh, elle va être magnifique, cette image. Donc là, on a la suite. Ah, elle est presque pleine, hein, mine de rien. Voilà, pour que ça ne bouge pas et pour que vous puissiez bien voir les couleurs, mais wow, c'est vraiment canon, franchement. J'adore, j'adore, j'adore. C'est difficile hein, de ne pas commencer tous les projets Pixelobby que j'ai. Enfin, juste après cet unboxing, j'ai prévu de vous tourner une vidéo sur mon stock, mes en cours et mes projets terminés. Et je vous avoue, c'est vraiment compliqué de ne pas avoir... tous mes projets en cours. Mais soyons raisonnables. Vraiment très, très, très beau ce kit. Alors, bien sûr, je vous remettrai en barre de description les liens directs vers les produits, vers le Pixelobby en général et vers les kits que je vous présente. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles. Je n'ai pas été voir juste avant de tourner cette vidéo. Je sais qu'il y en a un qui était en rupture dernièrement, là. Enfin, quand la dernière fois que je suis allée sur le site Auralois, il y en avait un des 5 derniers kits qui était sorti qui était en rupture. Ce n'est pas un de ceux que je vais vous présenter. Donc, n'hésitez pas à les jeter un œil si vous voulez en savoir plus. Bon, je range celui-ci et on passe au deuxième. Alors, je le répète, la pince n'est pas fournie avec les kits
qui font plus de. Il est juste fourni avec le petit kit, une plaque. Dès que vous passez à 4 plaques ou 9 plaques, il n'y a pas de pince de fourni. Donc, soit vous prenez une pince à bourron que vous avez chez vous, soit il y en a une sur Amazon de la marque Pixelobby. Je vous remettrai également le lien en barre de description, je vous préviens. C'est un lien d'affiliation Amazon. Quand vous passez commande, je touche une petite commission sur votre achat. Et donc, le deuxième kit, c'est celui-ci. Juste trop beau. C'est dommage parce qu'il n'y a pas le nom de l'artiste précisé sur la boîte. Donc je ne pourrais pas vous dire de qui il s'agit. Attendez, je regarde derrière des fois que. Mais non. À moins que là. Non. On n'a pas le nom de l'image et on n'a pas le nom de l'artiste. Si jamais je le retrouve, je le mettrai en barre de description aussi. Ah, j'avais pas vu qu'ici on avait tout le descriptif du matériel. Une notice, les 9 plaques, plus ou moins 170 plaques de pixels, ça dépend du nombre de, enfin de où sont placées les couleurs. Et 18 petites attaches comme ceci. Et la pince du coup qui n'est pas inclue, c'est bien précisé. Bon, on regarde. Allez. Donc on retrouve le patron toujours. Donc on regarde ensemble. Il fait la même épaisseur que l'autre, hein, quasiment. Le 9 plaques. On a 168 plaques de pixels cette fois-ci et on a 97 couleurs. Donc il me semble que c'est un peu plus que sur l'autre. Je me rappelle déjà plus qu'on avait sur l'autre. Sur l'autre, on avait, ouais, c'est ça, on avait 81 couleurs et 167 plaques de pixels. Donc là, on en a une en plus. Et surtout, on a 16 couleurs en plus sur le kit que je vais vous présenter maintenant. Alors, on retrouve toujours nos 9 plaques avec les petites attaches. Enfin, pour moi, le plus intéressant, c'est de voir les couleurs. Parce que je trouve ça trop, trop, trop canon. Alors, on va ouvrir la plus petite d'abord. Hop. Alors, je ne l'ai pas précisé dans le premier kit, mais les plaques, elles sont rangées dans l'ordre. Hein. Donc, quand vous déroulez votre pixel, ben, vous remontez les couleurs au fur et à mesure et c'est top, quoi. Donc, voilà les couleurs de la première boîte. Oh, il y avait un. Il y avait un. Ah merde, comment ça s'appelle? Une bulle d'air pour compléter normalement, mais je pense qu'elle a eu un petit souci de trou, du coup, elle n'a pas résisté. Je vais en remettre un, parce que du coup, effectivement, là, il y en a quelques-unes qui sont tombées. Bon, je risque d'avoir un petit peu de désordre sur la fin, je remettrai les pixels, enfin, les numéros des couleurs dans l'ordre. Voilà, on vient maintenir comme ça, il n'y a pas de problème. Hop, donc la première. Là, je suis un peu moins fan des couleurs que par rapport à l'autre. On va voir là. Cette boîte-ci. Après, c'est des couleurs moins peps sur ce dessin-là. Ouais, et ça ressort directement. Mais enfin, l'image est tellement belle que. Voilà. Les couleurs sont beaucoup moins peps. On est dans des couleurs un peu plus neutres ou réelles, je pourrais dire. Mais l'image est juste sublime. Donc voilà. Pour vous donner une idée des couleurs que vous allez avoir sur ce kit-là, on a beaucoup de blanc. Moi, ça doit être pour le loup. Du coup, je vous remontre l'image. Ah oui, on en a dans le fond sûrement ici et un petit peu sur le loup là. C'est pour ça qu'on en a pas mal. Parce que mine de rien, quand on a des grosses zones comme ça, bah, ça découle assez vite hein, les plaques de pixels. Donc voilà les couleurs de ce kit-ci. Bon là, clairement, je préfère les couleurs de l'autre. Mais j'adore les deux images. Donc c'est toujours pareil, c'est difficile de choisir. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle du coup que mon code MAMSEL est toujours valable pour avoir moins 15% sur votre commande, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est toujours bon à prendre une petite réduction sur une commande. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je sais que j'ai eu pas mal de demandes de vidéos alors, pour voir mes projets terminés, mais il me semble pas avoir eu une demande précise sur un tuto. Enfin, comme je vous ai dit, à chaque fois que je présentais du pixel jusqu'à maintenant, j'expliquais comment ça se déroulait et surtout dans les toutes premières vidéos de Pixelobby que j'ai fait, je faisais une démonstration de comment ça fonctionne. Après, si jamais vous avez des doutes, mais n'hésitez pas à venir me voir en privé et je vous répondrai avec plaisir. Mais après, c'est très simple, c'est très. Enfin, franchement, ça ne demande pas d'avoir fait Bac plus 5 hein, pour pouvoir faire du Pixelobby. Ça reste le même principe que du Diamond Painting. Vous avez des symboles, vous avez des couleurs associées, vous mettez les bonnes couleurs sur les bons symboles et votre image se forme, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer dans cette petite vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je m'en vais filmer la deuxième vidéo avec donc
mais mon stock, mes encours et mes projets finis, vous la verrez du coup un petit peu plus tard que celle-ci, mais j'espère qu'elle vous plaira tout autant. Je vous fais à tous des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!